gardien, je suis ton roi. Santo, mo santo, mo santo, Yahweh na bibele. Kombo na yo, Yesu Kristo.
Nzambe na nguya tobele misusu lelo liboso na yo. Tupusani epai na yo nkolo lolenge to sali. O nkolo. Soki toye po te tobongite pe to kokite Seigneur. Yambo to banda nyonso nkolo toye biete osalaki mosala monene kulusu na Golgotha Père. Makila osopaki nkolo talabiso na sa makila oyo Père bien-aimé. Eyoka moko na moko bosenga na biso posa na biso ekota kati na makila oyo pourvu que Père tant kota la biso tomona na pembe lokola mbula ya pembe. Oh mokonzi, merci mingi nkolo pona libaku oyo toliki to profite na yango na mobimba na yango Père bien-aimé. Nzambe na nguya toyebi esika mosusu koyi kotala te Seigneur. Mokili ebebi, mokili ekufi, me nzambe opesaki biso elaka na liloba oyo eye po ebongisa mwasi na libala. O nzambe na nguya, biso moko tomeponaki te me yonde moto oponaki biso. Na yango nzambe sala mosala na malamu mpe kitoko kati na biso po mokili eyebi ete ozali nzambe ya bikamwa, ozali nzambe ya solo, ozali oyo okosaka te. Bongisa biso Seigneur Jésus pourvu que bisika nyonso tokozileka nyonso tokosala bato bamona yo au travers bi bamona yo au travers bomoi na biso. Merci mingi nzambe na nguya totaleli yo lelo lisusu Seigneur tondimi ete moko te aye kati na esika oyo bongo azonga pamba moko na moko akozonga satisfait puisque toi tu es la portion qui satisfait, ta parole c'est la portion qui satisfait Seigneur. Yango la nzambe na nguya totaleli yo toliki na yo Seigneur banda na biso pe sukisa na biso oyebi penza nini tosengeli moko na biso misu na biso etali kaka epai na yo papa. Umela katikati na biso banda na biso liyangani oyo nkolo na poko na lelo pe osukisa na biso pe lokomu nkema masanjele zongela yo tobondele bokati na kondima na kombo eleki bakombo nyonso kombo na Yesu Kristo nzambe na biso amen. Nzambe apambola Frère Kale wana tokoyemba nzembo oyo tolingi tobanda liboso na maboko. Je ne vieillirai jamais. Na yo kana ba instrument eza kuna pa na bino soke bandi bomo biso to bandisima. To bandi. Je serai la génie à l'enlèvement. Je serai la génie dans le millénium. Je serai la génie dans l'éternité. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Du ciel, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Oh, je ne vivrai jamais. Alléluia. Oh, je ne vivrai jamais. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Demande de prière. Sœur Nzuzi Thérèse, à Saint-Libondeli, dans la Sainte Église des Élus, pour la Molimo Mabe à Hoke Zaliko Salae, Zaliko Tungisae, Tango Molai, Azana Kondimaete, Soki Bondeli, Nzambe, Akobiki Sae, instantanément. Oh, déjà ça suffit. Le bi motoza na kondima akozwa kokokana na kondima na ye.
wana tokoyemba croix seulement tokobenga ndeko lo mama akoya pona kobenga na molimo ya oke kati na ndeko mwasi njus croix seulement croix Nzambe tata na biso ozana likolo Kolo Yesu Kristo nzambe na bomoni Liboso simana mosu azali to azali comparable lokola yo Seigneur Jésus soki to kokai koyemba nzembo ya croix seulement parce que to ebiete Bona kondima yango ne pesa meli biso père Seigneur to kokaki même pas ko s'approcher de biso na parce que ozali 3 fois saint soki ba chéri ba bazo ko même pas ko tala na miso nzambe Baba yeye tadi sumute papa kule kaboli biso bato na masumu Seigneur. Me pesa meli so bison elobaki lobi ete boye pa na ngalo kwa bozali. Na mikuma na bino na bolemu na bino ngai na kopesa bino ngai akope ma Seigneur. Maloba ya moto nzambe azamo kosi. Me maloba na papa ezali tellement vérité Seigneur. Seigneur Jésus elobaki lobi ete mi bale misa so basange na komba na yo. Oko kitapo ko répondre Seigneur. Bongo tete ndeko na biso akomi rekete nzambe. À s'adresser pas na pasteur été à s'adresser pas na motomo côté parce que aibi été zaki na tribu moko a Jova Rafa l'éternel qui guérit toutes nos maladies Seigneur yangonde aye pai na yo nzambe OK ezali demoni liboso na yo papa oh Dieu du ciel na kondima ndenge moko moko mwana mwasi moko zaki kosopa makila nzambe tanga kutana ki na Seigneur asimaki ka ke lamba na pamba bika ki père ndolo baki ki m'a touché Et tant que tout le monde a été là, il y a des gens qui ont été là. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur. Mon papa, moi, je suis là, Seigneur. Il y a des mots qui sont OK. Vous avez gagné de Konabiso. Et de l'homme vraiment mort, c'est un sacrifice. Vous avez compris ça, mais tu l'as dit immédiatement. Comment est-ce que tu as pu me dire ce que tu as dit? Seigneur Jésus, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur. Yonne motomi kosonde lekel le repère. Yonne dali capable Seigneur akope sa réponse Seigneur. Et ti kato zaki na problème zambe, ope sa solution. Wadaki malade aza complètement guéri. Wadaki na besoin Saint-Esprit aza sainte parce que zali promesse na yo. Wadaki na besoin mbongo zambe aza mbongo Seigneur. Parce que loin l'argent t'appartient Seigneur. Parce que tango pesi moto le Saint-Esprit, oh Dieu, a mérité la vie éternelle Seigneur. To sangani awa zambe pona ko pa na moto te. Mais toi, bien, toi, il y a un plus que vainqueur. Seigneur, vous voyez, nous sommes en Zambé. Toi, il y a un peu de temps. Nous sommes en train de dire, Seigneur. Nous sommes en train de dire, oh Dieu, il y a un peu de temps. Nous sommes en train de dire, papa. Quand nous sommes en train de dire, Seigneur, comme nous sommes en Zambé, toi, tu m'avais qui joie. Banan, nous sommes en train de dire, Souka, nous sommes en train de dire, Seigneur, comment est-ce que nous sommes en train de dire, comment est-ce que nous sommes en train de dire, Amen. Merci. Tokomi na tango ya koka iloba na nzambe tokoyemba mon sauveur souffrit sur la croix wana tokoyemba pasteur akokota wana kopesa biso iloba na nzambe mon sauveur Gloire à l'agneau
Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au peuple de Dieu. C'est le temps de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que l'épouse est prête pour s'en aller? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que l'épouse est prête? Ou bien l'épouse continue à regarder encore au monde comme la femme de Lot. C'est ça le problème. Bien, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. L'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son Saint-Nom, Saint-Nom brillera sur mon front.
Encore une fois ce soir, pour nous avoir regardé depuis le matin jusqu'à cette heure ici. Et tu nous as gardé pour ta gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous te demandons de bénir ce moment que nous sommes ici, Seigneur. Pour nous, ce sont des moments glorieux. Car ce sont des moments où l'Éternel des armées veut nous parler. Et nous voulons connaître ta volonté, Seigneur. Des choses que tu nous as cachées, mais que tu as gardées pour le révéler à ce temps de la fin. Parfois, ça paraît simple. Mais en toi, il n'y a pas de choses simples. Tout est glorieux en toi. Parce que toi-même, tu es glorieux, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons ce soir de visiter chacun de nous, Seigneur. Individuellement, Père bien-aimé. Pour que chacun puisse s'aligner sur ta parole. Et que cette parole puisse trouver une place des choix dans nos cœurs, que nous puissions vivre par cette parole. Bénis l'écriture que nous allons lire, Seigneur notre Dieu, et ouais cette parole, et ouais chacun de nous ce soir, Seigneur. Nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luca, mokapo ya tukumi bale na minei. Nous lisons le verset 45 jusqu'au verset 49. Tokobanda kotanga tukumine na mitano kino tukumitano na tukumine na libwa. Luc chapitre 24. Luca tukumi bale na mine. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Na bongo afungola kibango milimo po ete bakoka kososola makomi. Et il leur dit: pe alobaki na bango. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Na bongo ekomami ete Christo akoyoka pasi. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Pe akosekwa kat na bawa mokolo ya misato. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Pe ete kobongola na motema pe kolimbisa mana masumu ete ama na kombo na ye. À toutes les nations. Na mabota nyoso. À commencer par Jérusalem. Na kobandaka awa na Yerusalema. Vous êtes témoins de ces choses. Bozali batatoli na makambo oyo. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Honneur le Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse a été donnée à des enfants de Dieu. Comme nous ici. Et 10 jours après, cette promesse s'est accomplie. 10 jours après, ils ont reçu la promesse. Ils ont cru à la promesse.
Et ils sont allés attendre la promesse. Dix jours après, la promesse s'est accomplie. Mais toi et moi, nous avons reçu la promesse. Il s'est passé combien de jours pour que cette écriture s'accomplisse? Il s'est passé combien de jours pour que cette écriture ne s'accomplisse pas jusqu'aujourd'hui? Est-ce que nous avons reçu la promesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous continuons avec notre étude sur l'église. Nous avons essayé d'en parler le dimanche, mais le temps ne nous a pas permis, pour montrer ce qu'on doit prêcher dans cette église. Ce qu'on va prêcher, qui peut aider les gens, qui peut amener les gens à entrer dans l'église, et à demeurer dans l'église, et à communier avec Dieu, et à être gouverné par Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Pour que nous puissions entrer dans le royaume. Pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est du monde. Et rester avec la parole de Dieu. Nous avons vu depuis dimanche, Frère Banam dit qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé en premier lieu. Comme message qu'on doit prêcher à cette église, c'était la repentance. Mais on doit prêcher beaucoup de choses dans cette église. On doit prêcher la repentance. On doit prêcher la guérison divine. On doit prêcher le baptême du Saint-Esprit. On doit prêcher tout. Les signes qui doivent accompagner ceux qui vont croire. Donc tout cela appartient à l'église de Jésus-Christ. Donc s'il y a une église quelque part où on ne prêche pas, et les gens qui vont croire, les signes et les miracles vont les accompagner, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si dans une église on ne prêche pas la repentance, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si dans une église on ne prêche pas la guérison divine, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et si dans une église on ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Tous ces enseignements doivent être prêchés dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais insister ce soir sur la repentance. Je veux vraiment y aller lentement. La repentance. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est adressé aux Juifs de se repentir. Suivez bien. Les Juifs, dans la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas commettre l'adultère. Ils ne pouvaient pas tuer. Toutes ces choses que nous faisons maintenant, les Juifs ne pouvaient pas le faire. Parce que la Bible déclare qu'ils étaient un peuple pillé. C'est-à-dire que tu ne peux pas lever ton doigt, dire que tel juif a fait telle chose qui est mauvaise. Mais il devait se repentir de quoi? Toi yo, et moi, nangai, aujourd'hui, quand on parle de repentance, ou parce que j'étais menteur, parce que j'ai volé, parce que je faisais ceci. Mais pour les Juifs, on leur a dit, repentez-vous. Et pourtant, c'était un peuple pillé. Ah, ils devaient se repentir de quoi?
Ils suivaient la loi de Moïse. Le commandement de Dieu. Ils les suivaient. Ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Tous les 10 commandements. C'était à la lettre. C'était écrit au mur. Et ils respectaient ça. Mais ils devaient se repentir de quoi? Ce jour-là, le Saint-Esprit leur a révélé ce dont ils devaient se repentir. Nous les lisons souvent ici. Que Frère Branham a dit, Dieu a promis une portion de la parole pour chaque âge. Donc le péché dans cet âge-là, ou dans chaque âge, en fait, c'est de renier la parole promise pour cet âge-là. C'est l'incrédulité à la parole qui devait venir vers vous. Préparez avant la fondation du monde pour vous. Quand elle vient, vous la repoussez, vous la rejetez. C'est ça le péché. Impardonnable. Les enfants d'Israël, ils étaient un peuple pieux. J'insiste beaucoup là-dessus. Un peuple pieux. Ils priaient tout le temps. Ils priaient même pendant des heures bien fixes. Ils gênaient. Ils apprenaient à adorer Dieu. Ils donnaient des sacrifices car ils commettaient un péché. C'est qu'ils n'avaient pas de péché. Mais ils devaient se repentir. Pourquoi? L'apôtre Pierre leur a dit ceci. Dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 36. Il dit que toute la nation d'Israël sache. Donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez rejeté. Parce que Israël avait les promesses qu'ils attendaient. Ils attendaient le Christ qui devait venir. C'était ça la parole promise pour eux. Ils attendaient des années et des années. Ils attendaient le Messie qui devait venir. Ils attendaient le prophète qui devait venir. Mais quand ce Messie est venu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Quel péché! Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Oh frère, oh bandeko. Mais maintenant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Il parle maintenant aux enfants d'Israël. Il leur a montré ce qui est arrivé. Ce que David avait dit, ce que Joël a dit, maintenant ils disent que toute la nation d'Israël, toute la nation sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. A fini maintenant, c'est la mort. Pas d'issue, parce que nous avons rejeté la promesse. Quand Jean est venu, ils ont envoyé une délégation. Allez lui demander. Est-ce lui le Christ? Est-ce lui le Messie? Est-ce lui le prophète? On a posé la question à Jean. Jean a dit non, je ne le suis pas. Tu es le Christ? Je ne le suis pas. Tu es le Messie? Je ne le suis pas. Tu es le prophète? Je ne le suis pas. Tu es Élie? Je ne le suis pas. Mais alors, qui es-tu? Parce que les Juifs s'attendaient à une promesse. Il devait s'accomplir.
Mais toi et moi, kasi yonanga, quelle est la promesse que nous attendions? Et la kani tozali kozela. Qui devait s'accomplir. Oui, tindami eko kisama. Si ce n'est que la fin du monde, ce qui bobele souka na molongo, et le jugement dernier que nous attendions, tozala et que toutes les églises continuent à attendre. Mais quand on arrive là-bas, kasi tango bako koma mais c'est déjà terminé. Et c'est sili. Tout est déjà terminé. Makabu, c'est sili. Tous les morts sont ressuscités. Bah, ouais, nous, c'est le jugement. C'est quoi, ça va nous servir à quoi? Et cette promesse-là. Et la kawana. Ça va nous servir à quoi? Et nini? Pour aller en enfer. C'est alors que les cœurs des gens ont été brisés. Et ils ont reconnu la chose qu'ils ont faite. Qu'ils ne devraient pas faire. Mais ils ont quand même fait ça. Mais le Saint-Esprit les condamne. Il dit, mais homme frère, que ferions-nous maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons crié. Que son sang tombe sur nous. Et sur nos enfants. Qu'il soit crucifié. Mais maintenant, tu nous apprends que c'est lui le Christ qui devait venir et qui devait ressusciter le troisième jour. Et il est ressuscité réellement. Mais c'est grave alors maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes finis. Les cœurs ont commencé à pleurer. C'est pourquoi Frère Bana me dit, quelqu'un qui se répand avec les yeux secs, ah, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il se répand. Quelqu'un qui a reconnu réellement sa condition, que le Saint-Esprit condamne, mais il devait venir en pleurant. C'est ça la repentance. Un regret sincère de la situation dans laquelle je me trouvais. Si Dieu venait me trouver dans cette situation-là, c'est fini pour moi. Je ne serai pas enlevé. Si je ne change pas, si je ne changeais pas, mais c'est fini. L'homme pleure devant Dieu. Alors Israël avait rejeté son message. Mais le Saint-Esprit a eu pitié de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean, dans 1 Jean, chapitre 5, il est écrit que quiconque croit que Jésus est le Christ, il a la vie éternelle. C'était ça le message de leur temps. La parole promise à leur temps. Il dit quiconque croit que Jésus, le Jésus crucifié là, c'est lui le Messie. C'est fini là la vie éternelle. Oh mes bien-aimés. C'était dur. Mais c'était ça le message. Et les gens devaient se repentir de ça. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Et maintenant, Pierre a été envoyé chez Corneille. Corneille n'était pas un juif. Corneille était un gentil. Mais, Kasi, la Bible dit, Bibili et lobi, il était un homme pieux. Azalaki moto oyo ya sembo. Il suivait tous les commandements de Dieu comme un juif. Azalaki kolanda mibe konyoso ya nzambe lokola moyuda. Il payait ses aumônes. Afutaki makabona ye. Et il donnait même l'argent pour construire les synagogues. Un homme de gentil exceptionnel. Et il priait constamment. Pas seulement lui, mais lui et sa maison. Il priait constamment. Ils étaient pieux. On ne pouvait pas les reprocher sur quoi que ce soit.
Et Dieu a vu la condition de Corneille. Il lui a envoyé un ange. Il dit, envoie une délégation à Jopé. Dans telle parcelle, telle avenue, telle maison, il y a un homme. Son nom, c'est Simon. Appelle-le de venir ici. Pour qu'il te dise ce qu'il a dans son cœur. Donc Corneille était déjà préparé. Il ne lui restait que de reconnaître le message de son temps. Et quand Pierre est venu, il a commencé à annoncer le message de leur temps, de Jésus qui devait venir et qu'il est déjà venu. Le Saint-Esprit est descendu. Il se sont repentis quand? Il ne devait pas se repentir. Ils étaient déjà prêts pour recevoir la promesse. Les Juifs se sont repentis pour avoir crucifié celui qui devait venir. Mais Corneille ne savait pas. Mais il était dans les conditions des Juifs. Et quand le Saint-Esprit a commencé à parler, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont accepté la promesse. Que ça, c'est la vérité. Quand ils ont accepté ça, le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Mais il n'était même pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est la préparation. Le problème, c'est ton état d'âme. C'est ça le problème. Et Corneille a reçu le Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés, ça devait nous dire beaucoup de choses. Mais un jour, Dieu a appelé Paul. Vous connaissez le témoignage de Paul. Quand il a posé la question, mais Seigneur, qui es-tu que je persécute? La voix lui a dit, je suis Jésus de Nazareth. Nazali, Yesu ya Nazareth. Ce n'est plus Jéhovah. Mais quand la même colonne de feu est apparue à Moïse, Moïse a posé la question, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi Jéhovah. Je suis celui qui suis. La même colonne de feu apparaît à Paul. Paul pose la même question. Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth. Donc le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et la même colonne de feu apparaît au temps de la fin. Il n'avait pas besoin de se présenter. Il dit seulement, tu vas me reconnaître. Comme Jean a été envoyé avant. Comme précurseur, avant ma première venue, tu dois me reconnaître. C'est simple, Branham. Tu dois me reconnaître. Jean a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Mais maintenant, on attend ma seconde venue. Alors, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. N'importe qui est ici peut les connaître. Qu'il s'agit de Jésus-Christ. Pas de quelqu'un d'autre. Pas de Gabriel. Pas de Michael. Mais de Jésus-Christ qui était dans la colonne de feu. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Et Jésus lui dit maintenant, toi, Paul, yo, je t'envoie vers les gentils. Vers les gentils. Pour les faire sortir des ténèbres et les amener à la lumière.
le faire sortir de la puissance, sous la puissance de Satan. Et les amener sous la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, Paul? Paul nous dit, nous, les gens des gentils, nous étions rebelles à Dieu. Nous étions idolâtres. Nous étions sans Christ, sans Dieu dans ce monde. Nous ne connaissions pas Dieu. Donc, si Dieu se révèle à toi, la première condition ou la première chose, tu dois te reconnaître ennemi de Dieu. Et maintenant, Dieu te fait grâce. Oh Seigneur, tu viens à pleurer. Qui suis-je moi? Un pécheur, un ennemi de Dieu, rebelle à toi. Mais tu m'appelles quand même. Oh frère, cela devrait me faire pleurer. Cela devrait te faire pleurer. Si réellement tu as reconnu ta condition. C'est la condition de tous les gentils. L'apôtre Paul leur dit ça. Vous étiez des féticheurs, des idolâtres. Vous étiez des féticheurs, des idolâtres. Vous priez les idoles, des morceaux de bois sans forme, qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, et vous les prenez pour vos dieux. Vous, les gens des gentils, pourquoi quand l'évangile est venu vers toi, vous ne deviez pas vous repentir correctement? Le message pour cette église, la repentance. Je vous ai dit qu'on peut, il y a beaucoup de messages. Le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons déjà prêché plusieurs fois ici. La guérison divine, n'en parlons même pas. Nous prêchons ça ici. Nous prions à tout moment pour les gens malades. C'est que nous croyons à cet enseignement pour cette église. Mais pourquoi les gens ont reçu la parole, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? C'est pourquoi nous sommes retournés à la repentance. Pour que nous puissions dire quelque chose là-dessus. Amen. Amen. Oh frères et sœurs. Oh bandeko basi mibali. Maintenant. Sikawa. Quand le message est venu. Tango etinda yaki. Suivez-moi bien maintenant. Toi tu étais catholique. Yo zalaki moto na katoliko. J'étais catholique. Vous savez qui m'a catholique? Tu étais du groupe des gens. Vous savez qui n'a étonné à Batoyo? Que Luther. Oh, Luther a condamné. A télémé la kibango. Et maintenant, l'évangile vient chez toi. Si quand ça nous malade, moi y'ai pas naio. Tu vas te repentir comment? Au Congo, on était malingue. Comme un protestant. Le coup la motangele ça? Non. T'es? Tu vas te repentir comme un catholique. Au Congo, on était malingue, on catholique. Parce que tu n'as jamais quitté le catholicisme. Luther s'est repenti. Luther a bon la kimotema. Et il avait un message. Que le juste vivra par la foi. Mais toi, tu étais catholique. Tu adorais les idoles. Tu priais les morts. Est-ce que tu t'es réellement repenti de ça? Ou seulement tu as vu parce que tu mentais, tu trompais les gens. Oh, moi j'ai trompé, j'ai volé. Tu t'es repenti de ça? Non. Toi, tu es catholique. Tu dois partir de la base catholique. Ta repentance à toi. Tu ne peux pas te répartir comme un protestant. Un protestant ne croyait pas à Marie. Comme une reine. Comme une déesse. Mais toi, tu croyais. Tu devais pleurer. Et aller dire à tous les catholiques, je ne me répands aujourd'hui. Je ne crois pas que Marie est une déesse. Est-ce que tu l'as fait? Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Tu dois bien te repentir. Frère m'a dit, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit parce que ta repentance n'était pas
complète. Po ete ko bongo la motema na yeza laki na mobimbate. Tu t'es repenti à moitié ou à un quart, mais le reste tu as laissé. Oh bongo laki motema na katikati tope na mwa ndambo moke kasi o etika laki otiki yango. Tu croyais à la prêtrise. Ozala ki kondima na prêtrise. À la théologie. Na théologie. Tu croyais au pape. Ozala kondima na papa. Et c'est lui le représentant de Christ. Et te yende motali si ya Christo. Mais est-ce que tu as renié ça? Yo wanga laki yango. Est-ce que tu as témoigné ça? Yo tete laki na yango. Aux autres. Et pas parce que catholiques. Oh ya catholique. À partir d'aujourd'hui. Et te banale lo. Ça je ne crois pas. Oh nandi makasusu yango te. C'est ce que Luther a fait. Yango de Luther asala ki. Et il a été appelé protestant. Abenga makisi ko moto la missioni. Oh mon frère, ma soeur, revois ta repentance. Si tu es un enfant de Dieu et que tu t'es bien repenti, le Saint-Esprit est pour toi à l'instant même. On ne va pas compter des jours et des jours et des jours. D'autres l'ont reçu le même jour. Au même instant, pendant que l'apôtre prêchait, il est descendu. Mais pourquoi pas sur toi? On doit faire des lignes chaque année pour toi. Et tu ne reçois toujours pas. Mais tu crois que tu es un enfant de Dieu. Mon frère Banam dit, le problème est de notre côté. Du côté de Dieu, il avait déjà tout terminé. Le problème, c'est à ton côté, à toi. Répands-toi. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, tu recevras le don du Saint-Esprit. Qui a menti? Qui est en train de mentir? Est-ce Dieu? Ou c'est qui? Si je ne les reçois pas. Mais les mensonges se trouvent de mon côté. Pas du côté de Dieu. La Bible est la vérité. L'écriture dit vrai. Ce qui est écrit là, c'est la vérité. Mais seulement de ton côté, tu n'as pas encore accompli quelque chose. Mes amis catholiques, où que vous soyez, qui êtes dans ces messages, répentez-vous. Voyez la structure catholique. C'est là où le message vous a trouvé. Vous devriez vous débarrasser de toutes ces choses-là. En témoignant aux gens. Non, je ne crois pas ça. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Alors, je sors de ça. C'est ça votre repentance. Pour que Dieu vous reçoive. Et peut-être en faisant ça, vous devenez comme protestant. Alors, maintenant, vous trouvez les protestants là-bas. Le message vous a trouvé comme protestant. Comment tu peux l'embrasser comme un pentecôtiste? Tu étais protestant. Tu ne croyais même pas à la guérison divine. Même pas au don spirituel. Tu rejetais ça. Votre église rejetait ça. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Vous aussi, vous étiez là-dedans. Frère Bana me dit, quand quelqu'un est en train de parler en mal de quelqu'un d'autre, et que vous êtes là, même si vous ne dites rien, vous participez à ce péché-là. Tous les protestants, les kimbanguistes sont venus. Quand nous étions encore des enfants, et il parlait des guérisons divines. Mais on rejetait carrément ça. On rejetait ça en tant que protestant. Bien que Kimbangu était protestant, mais quand il a commencé à parler des dons, de la puissance de Dieu, on l'a rejeté. Mais comment ce protestant a pu recevoir le Saint-Esprit? Il doit se repentir. Il doit pleurer devant Dieu. Que la parole de Dieu parle de la guérison divine, parle de la puissance de Dieu. Mais moi, j'ai rejeté ça. Oh Dieu, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'accepte ça. Et vous donnez des déclarations. Vous devez vous repentir correctement. Chers protestants,
Vous croyez que pour bien connaître Dieu, il faut faire la théologie. Vous croyez à ceux qui ont fait la théologie comme étant les véritables connaisseurs de Dieu. Mais repens-toi de ça. Moi-même, tu veux les théologiens. Frère, tu ne crois même pas. La théologie que tu as là-bas, c'est du diable. Et ça, c'est Satan. Moi, je ne crois pas à ça. On ne peut pas étudier Dieu. On ne peut pas interpréter Dieu. Mais vous, vous l'interprétez. C'est ça la repentance. Vous devez renier certaines choses. Du milieu où vous étiez. Comme ça, vous acceptez maintenant le message qui vient de la part de Dieu. Mais vous ne vous êtes même pas repenti. Oh non, il y a des mystères. On commence à prêcher les mystères. Ah, vous voulez connaître les mystères. Mais tu es toujours protestant. Toujours protestant. Et cet esprit-là, d'esclavagisme, cet esprit-là, de se retrouver sous les jus des hommes, qui t'a saisi depuis chez les protestants, chez les catholiques, jusqu'ici dans les messages. Tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas été donc libéré. Tu n'étais pas affranchi. Mais comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Mais bien-aimés frères et sœurs, vous avez été protestant. Et vous avez eu confiance aux écoles bibliques, aux théologies protestantes, et à tout ce qu'ils font. Oh frère, mais moi j'avais pris la Sainte Seine, apprenant la limonade et le pain, préparé je ne sais pas par qui, c'était la Sainte Seine. Je devais pleurer. Je devais me repentir. Et dire aux protestants, ça ce n'est pas la Sainte Seine. Voilà ce que Jésus a dit ici. Il faut prendre le vin et le pain sans le vin. Vous devez vous repentir. Non, vous ne faites rien. Vous venez seulement à la Sainte Seine. Vous prenez la Sainte Seine. Est-ce que tu as renié l'autre sainte scène que tu as pris là-bas? Yo, wangana, elambo muso ezaka komela kuna? Que tu prenais pour la vérité. Ozaka komata ko lokola solo. Mais bien-aimé, balinga minangai. La repentance. Ko bongo la motema. C'est la porte même d'entrée. Ezali ekuke penza ya kokota. Dans cette église. Na eklesia oyo. Quand vous vous repentez, tango yo bongo li motema. Correctement. Sembo penza. La porte s'ouvre. Ekuke fungwami. Voyez le système que les gens ont maintenant. La porte est fermée. Dès que vous vous approchez, la porte s'ouvre. C'est ça vrai la repentance. Vous n'allez pas prendre une clé matérielle ici pour ouvrir le royaume de Dieu. Non. Pierre a dit, repentez-vous. Mais c'est ça la clé que vous devez prendre. Pour tourner ça. Et la porte s'ouvrira. C'est Dieu qui l'a dit. Vous étiez pentecôtiste. Vous croyez à la puissance de Dieu. Vous croyez aux dons. Et vous vous êtes arrêté là. Et vous avez même cru que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut parler à la langue. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Oh, mes bien-aimés, toutes ces choses, ces enseignements que nous avons reçus, vous vous êtes reposé sur les dons, sur la puissance de Dieu, pour dire que j'ai le Saint-Esprit. Comme je prophétise, comme je parle à l'art, comme je prie pour les malades, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que tu as regretté ça maintenant? Ou bien tu as gardé ça jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que tu prophétisais quand tu étais pentecôtiste. Peut-être tu parlais en langue et tu as gardé ça jusqu'à maintenant. Mais rien ne change.
Ta vie ne change pas. Et pourtant, tu continues à parler à l'âme. Tu continues à prophétiser. Pourquoi? Parce que tu prends cela comme étant quelque chose qui te rend spirituel. Et tu es spirituel par rapport aux autres qui ne parlent pas en langue, qui ne prophétisent pas, qui ne voient pas de vision. Toi, tu es spirituel. Dès que tu fais ça, tu es pentecôtiste. Parce que les pentecôtistes se basent sur les dons pour dire que nous avons le Saint-Esprit. Mais dans le message du temps de la fin, nous nous basons d'abord sur la parole. La parole nous change, nous transforme, nous devenons nous-mêmes la parole. Et après, le Saint-Esprit vient. Oh frère, dans le message, nous voyons d'abord l'importance de la parole. Et ce que Dieu a promis aujourd'hui, c'est la parole. La parole qui devait être faite chère. La parole. L'iloba. Qui était au commencement. La parole qui était Dieu. Elle devait visiter son église. Aujourd'hui. Lelo. Et elle devait se manifester. Paix et mon isami. Voyez frères et sœurs. C'est là où il y a parfois des difficultés. Au temps de Jésus-Christ, Dieu devait se déverser en Jésus-Christ. En cet homme-là, on appelait Jésus de Nazareth. Tout ce qui concernait Dieu, tout ce que Dieu pouvait faire, il ne pouvait le faire qu'à travers cette personne-là. Dieu est un sauveur. Dans sa qualité, je ne sais pas moi, dans son état où il était de Logos, la parole, il ne pouvait pas sauver quelqu'un. Parce que pour sauver quelqu'un, il faut que le sang soit versé. Mais lui n'avait pas le sang. Donc Dieu, en tant que sauveur, il devait l'être en Jésus-Christ. Donc tout ce que Dieu était comme sauveur, il a déversé en Jésus-Christ. Et Jésus est devenu sauveur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Voilà le Messie qui devait venir. Alors nous allons nous lever. C'est très important, ce message de la repentance. Quand chacun arrive chez lui, il doit réfléchir. Rester devant Dieu. Calme. Kimia. Repassez votre vie en rapport avec tout ce qui a été dit ici. Voyez ce que vous devez faire. Dieu n'est pas injuste. Nous voulons que chacun de nous reçoive réellement le véritable Saint-Esprit que tout le monde a reçu, que Dieu a promis. Moi, je crois que vous êtes des enfants de Dieu. Chacun croit qu'il est enfant de Dieu. Alors Dieu est obligé d'accomplir sa parole à l'égard de chacun de ses enfants. Il n'est pas injuste. Nous allons incliner nos têtes. Que chacun élève son cœur à Dieu. Moko, et
Et si vous avez une requête spéciale, levez tout simplement la main. Tombola kaka loboko. Quand je vais prier, tango na kobondela, je vais me souvenir de vous dans la prière. Nakokanisa pona yo kata libondeli. Vous pouvez seulement murmurer dans votre cœur. Yo kokika koyima imakata motema na yo. Murmurez quelque chose à Dieu dans votre cœur. Pendant que je suis en train de prier. Ayez foi. Dieu est réel. Il existe. Il est vivant. Il est notre Dieu. Il n'est pas le Dieu d'une seule personne. Il n'est pas parti avec William Branham. Il a toujours été. Avant Branham, il était là. Il était avec Branham. Et après Branham, il continue. Parce qu'il est Dieu. Et il est dans sa parole. Si vous croyez à ce qu'il vous dit, il accomplira. Je vais chanter un petit cœur. En français et après peut-être en lingala. Nalopoto mbala mususu pe na lingala. Ceux qui le connaissent, nous allons chanter ensemble. Baye baye biango tokoyemba elongo. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si j'ai marché chaque jour par la foi et malgré tout, c'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un céleste. Nous avons la foi, Seigneur.
qu'un jour nous te verrons face à face. Ce ne seront pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais ce seront mes yeux qui vous verront. Oh, que cela soit, Père bien-aimé. La prière de chacun de nous, Seigneur. Un jour, je verrai le Seigneur Jésus. Bientôt, tu vas venir, Seigneur. Bientôt, tu vas apparaître. Qui ira à ta rencontre, Seigneur? Oh, Père bien-aimé. Tu nous as rassurés, Seigneur, que seule l'épouse ira à ta rencontre. Oh Père, il y avait beaucoup de filles vierges en Israël, mais seule Rebecca a été choisie, Seigneur notre Dieu. Oh Père bien-aimé, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as envoyé un message de préparation. Aide-nous à nous préparer, Seigneur. Aide chacun à nettoyer ses lampes, à y verser de l'huile, afin que la lumière puisse briller, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés, Seigneur. Ça fait des années. Ça fait des années, oh Dieu. Comme la Bible le dit, Seigneur. Nous qui devrions être le maître, mais nous en sommes encore au lait. Nous sommes encore au rudiment. La parole de Christ. Oh Père bien-aimé. Oh Tata Molingami. Pitié de chacun de nous, Seigneur Jésus. Pitié de nous, oh Dieu. Seigneur, reçois-nous dans ta bergerie, Seigneur Jésus. Oh Père, oh Tata, aide chacun de nous, Seigneur, à bien s'examiner, oh Dieu, par rapport à la parole de Dieu, pour voir ce qui ne marche pas dans sa vie, pour qu'il comprenne, Seigneur notre Dieu, comment il est venu vers toi. Est-ce que sa repentance était vraiment sincère? Toi, tu ne mens pas, Seigneur notre Dieu. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu vrai, Père bien-aimé. Ceux que toi tu as appelés, Seigneur, à qui tu as donné le Saint-Esprit, ils étaient des hommes comme nous, Seigneur. Ils n'étaient pas spéciaux, oh Dieu. Ils étaient des hommes nés, des hommes et des femmes. Oh Père bien-aimé, pitié de nous, Seigneur. Oh Père céleste, tiens chacun de nous par la main et conduis-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi te recevoir comme d'autres t'ont reçu dans leur cœur. Père céleste, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as appelé Pierre. C'est toi qui as appelé Jean. Et de la même manière, tu nous as aussi appelés, Seigneur. Comment tu pouvais les raconter le Saint-Esprit? Et à nous, tu ne peux pas le faire. Seigneur Jésus, nous croyons, oh Dieu, que nous étions des rebelles, que nous étions tes ennemis, Seigneur. Oh Père bien-aimé, nous suivions des hommes et les enseignements des hommes. Oh Père bien-aimé, nous étions sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Mais à cause de ta grâce, oh, tu t'es fait homme, Seigneur, pour verser ton sang, afin que ce sang puisse nous purifier. Oh Père bien-aimé, miséricorde, Seigneur Jésus. Bénis chacun de tes enfants. Tu vois réellement, Seigneur, le désir du cœur de chacun de tes enfants. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Père bien-aimé, d'accorder à chacun ce qu'il t'a demandé au bien-aimé. Oh Dieu,
Ne laisse pas ton enfant sortir avec un cœur vide, oh Dieu. Remplis le cœur de chacun, Seigneur, de l'amour de Dieu. Oh Père bien-aimé, fais cela pour ta gloire, oh Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Nous n'avons pas crié à un homme, oh Dieu. Nous avons crié à un Dieu puissant, au Créateur des cieux et de la terre, qui a marché avec les prophètes. Oh Père bien-aimé, descends, Seigneur, dans la vie de chacun. Délivre chacun, Seigneur. Oh Père bien-aimé, glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous n'appartenons pas au diable, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Seigneur, montre au diable que nous sommes réellement tes enfants, que toi tu as connu avant la fondation du monde et que tu as prédestiné à entendre ta voix. Seigneur, prouve cela au diable, que réellement tu nous as aimés, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, montre au monde que c'est toi qui nous as appelés. Nous ne sommes pas venus ici par nous-mêmes. Nous ne sommes pas entrés par la fenêtre, mais nous sommes entrés par la porte. Oh Père, par une véritable repentance de notre vie passée. Oh Père, maintenant Seigneur, nous avons reçu le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion, Seigneur. Oh Dieu, où est le don du Saint-Esprit que tu devrais nous accorder, Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu devrais accorder à chacun qui croirait et qui serait baptisé pour la rémission de ses péchés. Oh Père, oh Tata, marche devant tes enfants, Seigneur, et scelle chacun de nous, Père bien-aimé. Scelle tes enfants, Seigneur. Remplis chacun, oh Dieu, de ta puissance d'en haut que tu as promise à l'église, à la véritable église qui est ton royaume. Oh Père, oh Tata, accorde cela, Père bien-aimé. Accomplis cela, Seigneur, notre Dieu. C'est la promesse que tu as donnée, Seigneur. Tu l'as donnée à tes enfants, Seigneur. Et nous sommes tes enfants que tu as appelés dans ces derniers jours. Nous nous attendons à toi. Seigneur, accompagne chacun de nous jusque dans sa maison, jusqu'à la réunion prochaine. Que chacun reste dans ta présence et qu'il soit consacré. Qu'il regarde à toi, Seigneur. Oh Père bien-aimé, et que chacun s'abandonne à toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, oh Kolo, tu avais dit à ces hommes-là, comme les invités ne sont pas venus, allez forcer tout le monde que vous rencontrerez. Amenez-les dans la fête. Seigneur, Kolo, fais cela pour nous aujourd'hui. Oblige-nous, oh Dieu, à entrer dans la fête. Oh Père bien-aimé, qu'est-ce qui nous retient encore au monde? Brise cela ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, peu importe ce que cela nous procure, brise ça, Seigneur. Libère-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Détache-nous du monde. Lis-nous à toi, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Béni soit ton nom, bien-aimé. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Et marche devant chacun de nous. Tu es l'ange de l'alliance. Marche devant chacun de tes enfants. Chaque jour de notre vie, fais-nous saisir ta parole. Afin que nous puissions marcher avec toi. La main dans la main. Et que le monde sache que nous sommes tes enfants. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ok. Je
salut les gens. L'église de Madimba au Bas-Congo et son pasteur, le frère Nestor Kinkela, le pasteur Vicky de son Abata et le frère Jacques Kombo à Kolofuma vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre bien-aimé frère Mbangu qui était à Madimba la semaine passée. C'est lui qui nous a apporté ces salutations. Communiqué nécrologique. Ngai frère Daniel Lomama. Nazali na mawa mingi. Po na liwa ya mwana ya nièce. Brusquement. Lelo. À Kinshasa. Programme Ekopesa Sima. Soki Ngai Moko Nakomi Kuna na Delvo. Merci, frère Daniel Lomama. Ndeko Lomama Zali Koyebisa, Sangwa Mawapona Mwanae, Mwanae Ndekonae. Tu interprètes le Lingala. Là, tu dois parler en français. Okay. Bien, je crois qu'on a terminé avec le panier des offrandes. N'oubliez pas, si vous avez amené les offrandes pour la construction, n'oubliez pas, il y a des paniers à la sortie. Mettez votre offrande là-dedans. Ceux qui ont encore des bons de souscription, veuillez le remettre. Si vous avez déjà quelque chose pour ce mois d'octobre, donnez cela aussi. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus Christ. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Et par la grâce de Dieu, nous nous rencontrons le vendredi. Partout tu vas.